Les heures que j'ai passées à me finir au jardin avec des filles de rien que j'appelais monsieur, qu'ils vibraient pour moi leur boucher, leur fossile, pour m'envoyer le soir un peu de poudre aux yeux. C'était des heures perdues que je gagnais quand même, qui perdaient l'équilibre et parfois la raison aux dernières années de ma vie de bohème, avec des enfants de cœur qui sortaient de prison. C'est une maladie, comme on dit, de jeunesse. Je suis un vieux gamin, assez bien conservé. J'ai toujours adoré les chemins de traverse qui vont du Sacré-Cœur au quartier réservé. Je ne demande rien aux gens que je fréquente, qu'ils soient flics ou curés. À vrai dire, je m'en fous des malades à toute épreuve, égarés chez les tantes pour prendre un peu leurs pieds ou pour se faire des sous. À l'heure du délire, à l'heure où l'on zigzag et l'on croit marcher droit, et j'ai vu mélanger le meilleur et le pire, et la droite et la gauche, et l'envers et l'endroit, et mourir quelquefois un peu comme on rigole. Spectacle étonnant qui ne m'ont rien appris, pourtant ce fut pour moi une excellente école, car ce qui ne vaut rien n'a jamais eu de prix. Car ce qui ne vaut rien n'a jamais eu de prix.